bi pour Amad John Mohamed Fall, le 1-2 a fonctionné. Amad qui lève la tête, le centre, un bon centre. Attention, le but de Ansouma Sali. Souleymane qui garde toujours le ballon. Il s'appuie sur Amad John. Amad qui est dans la surface de réparation. Le centre en retrait pour Souleymane. Le tir. Qui garde toujours le ballon. Qui tente de sortir proprement. Mamadou Fall. Pour Farambodje. Qui décale. Pour Mohamed. Mohamed qui va. C'est le tir. Le tir de Mohamed Fall. Et dedans. Commise au niveau de la défense, Ibrahim Balde qui ouvre et ce sera une position irrégulière signalée par un long ballon. Il va vite, poursuivi par Boubadji. Retour en arrière, il a été quadrillé. Le 1-2 a fonctionné. Le centre récupéré, la récupération de Ansouma Sali. Ansou pour Souleymane Faye. Ansou qui va essayer de centrer au second poteau. Attention, Mohamed Fall qui n'a pas le ballon. Mohamed qui lève la tête, il va s'appuyer sur Ibrahim Balde. La frappe contrée par le gardien. Le centre récupéré, le tir. Sort en corner, le tir de Souleymane Faye. Et c'est la mi-temps sur cette belle occasion de Bispor Academy. En première période, c'est Ansouma Sali et Mohamed Fall qui ont inscrit les buts de Bispor Academy. Et le corner est parti, attention. Amad qui met la tête, qui passe au-dessus de la vendanger. Malheureusement, c'est Westphal qui part à l'assaut. Il n'y a pas de position irrégulière, il lève la tête. Le centre dégagé de la tête par Djibidjan Djedjou. Le 1-2 n'a pas fonctionné. Coach Ouzaïdou Tal qui est sur le banc. Attends, le centre en retrait pour le numéro 8 qui va déclencher le tir dévié. Le centre en retrait. Le centre ça repart avec Farambodje, déséquilibré pour former le mur. C'est parti à ras de terre, capté tranquillement par Westphal qui tente de repartir. Un ballon, il n'est pas hors jeu, il lève la tête. Un centre au second poteau pour le numéro 8, qu'est-ce qu'il va faire avec son pied gauche. Le centre et le but, la réduction du score. Et là, il y a un manque d'engagement. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais du côté de Bispor, on se relâche. Le capitaine qui va ouvrir pour le numéro 8. Un centre instantané. Hors jeu. L'arbitre siffle. Un coup franc. Ballon perdu. Récupéré par Souleymane Faye. Souleymane qui va marquer le troisième but.
L'arbitre estime que c'est lui qui a commis la faute. Le centre bien ajusté, mais le numéro 14 n'a pas pu récupérer ce ballon. C'est la fin de la partie. Bisport qui s'impose 4-1 face à la sélection de West Foire.